Formé à l'AS Saint-Etienne, Joshua Guilavogui. Marcelo. Jean-Lucas. Ah, bien joué, petit ballon. Bien joué. Pas de position de hors-jeu, face à face, Kartoko Ekambi qui vient ouvrir le score. Il lance de la meilleure des manières les Lyonnais. Kartoko Ekambi 1-0. Je pense que Moussa était hors-jeu, mais Karl était parti de plus loin, donc lui il n'est pas en jeu. La VAR est présente. C'est-à-dire qu'il a préféré éliminer le gardien avant de pousser le ballon au fond. Oui. On le voit finalement assez peu. Est-ce que c'est pourtant pas, quand on a le temps bien sûr, la meilleure façon de jouer son face-à-face? Si, c'est vrai. Après je pense que Karl a été un petit peu contraint sur ce dribble. Parce que attention quand même, ouais, à la réponse allemande dans la foulée, tout de suite après, bien sauvé par Malaugusto, même s'il concède le corner. Le corner tiré rentrant au point de pénalty. Repoussé, ça va vite revenir. Hors-jeu, face à face, ça passe à côté, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Enfin, en tout cas, elle n'a pas été signalée. Les Lyonnais ont. Merci Loris. La combinaison, Ryan Cherki avec Moussa Dembélé, le poteau. Trouvé par Ryan Cherki, il a des jambes et ça se voit. Ouais, magnifique. Le centre envoyé par Maxwell Cornet et Marcelo. Il a faute, là, monsieur. Mais ça joue, il a de l'espace. Kartoko Ekambi, il a levé la tête. Il y a Oussem Aouar à l'opposé. Ryan Cherki. Est-ce qu'il va la tenter? Ouf. Bien joué, un peu de réussite. Ah, il laisse passer. Oui, c'est contré et le but avec de la réussite. Mais ça termine au fond. Moussa Dembélé double la mise. Le capitaine montre la voie, montre l'exemple. 2-0. Voilà, tout n'a pas été bien fait, parce que Moussa, à mon avis, doit la laisser passer pour Oussem. Après, dans un second temps, mais il faut quand même noter que l'OL peut-être provoque cette réussite, parce que je trouve les Lyonnais quand même très tranchants. Il y a déjà eu deux buts, il y a eu le poteau de Ryan Cherki. C'est vrai. Quand ça rentre dans les 30 derniers mètres, c'est tranchant. Là, Victor et la réponse immédiate de Wolfsburg pour réduire le score. Ballon perdu bêtement par Jean-Lucas à l'origine de l'action. Et au départ, c'était une perte de balle et Yannick Gerhardt. Laisse aller. Attention à Gerhardt, encore lui, de la liberté. Ah ouais, encore un bon de ballon. De l'espace, un bon ballon, la frappe, elle est moins belle. Ah, on se fait transpercer facilement. Parfois, là, sur ces. Là, personne n'a joué la veille. Aussi, ça pouvait c'est vrai. Être le cas. De Villefranche, notamment. Mais bon, bien sûr, il y a aussi de la qualité. Ouh, la frappe. Et là voilà la qualité, justement, même si ça. Elle ne doit pas passer si loin celle-ci. Encore, techniquement c'est bien fait. On prend des vagues vertes. Prend des vagues vertes et ça tire sur un fil. Voilà, clairement on est dans le dur. Qualité de relance avec son pied gauche. C'est vrai. Allez. Kartoko Ekambi en position de frappe, c'était cadré mais pas assez puissant. Alors que Rennes. Maxence qui a créé une touche de balle, bien fait avec Ryan Cherki. Ça, il sait bien faire. Ouvrir le plat du pied comme ça. Malaugusto. Ça aussi, c'est bien joué. Allez, du monde dans l'axe. Il a levé la tête. Super le centre travaillé. Oh non. Oh, Moussa Dembélé, un bon portant qui manque l'immanquable. Oh là 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 là, quel centre magnifique. Et Moussa. Marcelo. La talonnade interceptée par Malaugusto. Allez, il y a un coup à jouer, il y a de l'espace pour Jean-Lucas qui va avancer. Regarde à gauche, regarde à gauche. De la vitesse. Rien tout seul à gauche. Décalé finalement, Kartoko Ekambi, c'est fort. Oh, Ryan n'y a pas cru. Oh, et Moussa Dembélé non plus. Encore une occasion en or pour Moussa Dembélé. Ah, il n'a pas de chance, le ballon lui est passé entre les jambes au moment où il a voulu. Le travail de Stéphane en retrait, Guilavogui. Attention tout seul, Roussillon. C'est le poteau Roussillon, le pied droit. Moins bon que le gauche. Ouais. C'est important. Ouais, la tête de Marcelo, elle est belle. Cadré. La parade est derrière Jean-Lucas. Attention, Marcelo, qu'est-ce qu'il va tenter? Il est raisonnable. J'ai cru qu'il allait tenter le centre de débordement. Oui, c'est encore un bon centre. L'offrande de Malaugusto pour le doublé de Kartoko Ekambi. L'OL reprend son double avantage. C'est magnifiquement réalisé. Qu'est-ce que le encore la galette qui met là, Malaugusto sur la tête. Quelle sérénité. Oh là, bien joué. Magnifique.
Par contre, là, voilà, faut la donner. Oui, superbe. Oh, c'est bien fait. Ah, magnifique. Allez. Oh, si ça va au bout, c'est. Ah, ben, faut la terminer cette action. Mais lui, tout de suite. Voilà, magnifique. Allez. Sublime. Oui. Oh, quelle action collective au départ Castello-Lukeba. Magnifique. À la finition, le triplé de Karl Toko Ekambi. Oh, le hors-jeu qui vient gâcher la fête. Oh, quel dommage. Ah, mais ça compte un demi-point quand même. Non, non. Bien en groupe. Et de jouer au ballon, de se faire plaisir. Attention, deuxième, il est tout seul. Ce ballon. L'ancien Lillois. Ah, bien joué, Pape. Alors. Est-ce que Eli Wissa va en profiter? Oh, oui, penalty. Oh, le penalty, oui, indiscutable. Bien sûr. Obtenu par Eli Wissa. Bien sûr. Et là, tout le monde veut un peu le tirer. Il y a Eli Wissa qui allait chercher son propre ballon. Bien joué. Le contre-pied et le premier but en professionnel pour Eli Wissa. 4-1. L'OL en route vers une nouvelle vie. Voilà, par contre, il est vraiment tout seul. Hein. Ouais, et il réduit la marque. Joao Victor, position de hors-jeu. C'est un peu trop bon pour être vrai. Hein.